Tu dis un mot, elle est tout ça accompli. Tu dis un mot, elle est tout ça accompli. Tu dis un mot, elle est tout ça accompli. Tu dis un mot, elle est tout ça accompli. Jéhovah, tu es le Seigneur. Jéhovah, tu es le Dieu de paix. Jéhovah, tu es le délivré. Jéhovah, tu es le Dieu de paix. Jéhovah, tu es le Dieu de paix. Tu es le délivré. Jéhovah, Rapha. Tu es le Dieu Très-Haut. Amen. Amen. Demon tremble before him, Lord. Satan bow before you, Lord. Witches bow before you, Lord. Everything written about you is great. You are great, Jesus. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus Christ. You are great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. Everything written about you is great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus Christ. You are great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. Everything written about you is great. Problem bow before your presence. Situation bow before your presence. Poverty bow before your presence. Everything written about you is great. You are great, Jesus. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus Christ. You are great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. Everything written about you is great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. You are great, mighty Jesus Christ. You are great. You are great, Jehovah. You are great, Jesus. Everything written about you is great. Amen. 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 Toute association des démons. Toute association des ténèbres. Toute association des sorcelleries. Toute association satanique a signé contre ma destinée, a signé contre ma délivrance, a signé contre mon PC, a signé against my breakthroughs, a signé contre mes PC. Que tout soit rôti par le feu, soit rôti, soit dispersé, dispersé, dispersé par le tonnerre de Dieu. Let them scatter. Every satanic association has signed against my breakthroughs. Every demonic association has signed against my life, has signed against my destiny, has signed against my ministry and my calling. Has signé contre ta ministère et ton appel. Has signé contre ta vie. Has signé contre ta destinée. Has signé contre ta gloire. Has signé contre ta santé. Every association of darkness has signed against your health. Has signed against your ministry and your calling. Has signed against your life. I sign against your joy. I sign against your marriage. I sign against your marriage. I sign against your marriage. I sign against your benediction. I sign against your deliverance. Then they scatter to disgrace. Scatter to disgrace. Scatter. Then scatter. Then scatter. Then scatter. Then scatter. Then soit dispersé par le feu. Soit dispersé. 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 Dispersé par le feu. Soit dispersé. 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 Then they scatter to disgrace. Scatter to disgrace by fire. By fire. By fire. By fire. Let them scatter. 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 Scatter them in the name of Jesus Christ. Disperse-les par le feu, par le tonnerre de Dieu. Disperse-les.
dans mon rêve physique et spirituel, in my dream physically, spiritually, oh Lord, anywhere they are operating, they are gathering, they are coming against me, against my finance, against my breakthrough, n'importe où, ils sont en train de passer contre moi, contre ma finance, contre ma joie, contre ma bénédiction, contre ma délivrance. Soit dispersé, dispersé en disgrâce, dispersé en disgrâce, dispersé en disgrâce. Let them scatter to disgrace, let them scatter to disgrace. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Au nom puissant de Jésus, avoir prière. Amen. Pouvoir qui résorait la fléchon contre moi. Pouvoir power that resurrects affliction against me. Power that resurrects affliction against me. Ça veut dire que l'affliction que Dieu a déjà détruite, il m'a allé ressusciter ça, ressusciter l'affliction. Pouvoir qui ressuscite l'affliction contre moi. Pouvoir qui ressuscite l'affliction contre moi. Soit enterré par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soit enterré par le tonnerre de Dieu avec ton affliction. Avec son affliction. Avec ton affliction. Avec ton affliction. Soit enterré par le tonnerre de Dieu. Par le tonnerre de Dieu. Par le tonnerre de Dieu. Let thunder of God. Thunder of God. Thunder of God. Bury that power and his affliction. Bury them now. Bury them now. Bury them now. Bury them and the affliction. Bury them and the affliction. Bury them and the affliction. Bury them. Bury them. Bury them. Bury them. Bury them. Bury them. Que le tonnerre de Dieu l'ait enterré avec l'affliction, l'affliction, avec l'affliction, c'est pouvoir avec son affliction, soit enterré, soit enterré, soit enterré, soit enterré, soit enterré, soit enterré, enterré, enterré par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu. Au nom puissant de Jésus, à votre prière. Amen. Tout mauvais esprit dans ma fondation. Tout mauvais esprit dans ma lien familier. Tout mauvais esprit dans mon lieu de naissance. Tout mauvais esprit dans ma génération. Prends feu, catch fire, let it catch fire. Evil spirit, any evil spirit in my generation, any evil spirit in my foundation, any evil spirit in my family, any evil spirit in my family lineage, I command you right now, catch fire, be roasted by fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Que cette mauvaise spirit soit rôti par le feu, soit rôti, soit congelé par le feu, soit congelé. Let that evil spirit, that white demonic spirit, let that wicked spirit, let it catch fire, let it be roasted by fire, be roasted by fire, be destroyed. Be destroyed by fire. Let that demon, let that spirit catch fire. Let it catch fire right now. Let it be destroyed by fire. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tout coiffeur de sorcellerie. Every witchcraft baba. Every witchcraft baba, by fire, by thunder, restore my glory by fire. Par le feu, par le tonnerre, restore ma gloire. Tout sorcellerie, coiffeur de sorcellerie. Par le feu, par le tonnerre, restore ma gloire maintenant. Restore my glory, you witchcraft baba. Restore the glory of my family, my children, my household. Restore the glory of my marriage, my home, my household. Restore the glory of my marriage. Restore the glory of my children. Restore la gloire de ma famille. Restore la gloire de ma famille. Restore la gloire de mes enfants. Restore la gloire de mon mariage. Restore the glory of my marriage. Restore the glory of my ministry, my colleague. Restore the glory of my family. Restore the glory of my brothers and sisters. Restore the glory. Restore the glory of my generation. Restore the name of Jesus Christ. Restore it. Restore that glory. Restore the glory you have stolen. Restore it right now. Restore toute la gloire que tu as volée dans notre famille. Restore la gloire que tu as volée dans notre famille, dans notre génération, dans notre fondation.
dans notre nature. Restore, priez, il doit restore. He must restore that glory. He must restore every glory they have stolen from you, from your family, from your brothers and sisters, from your generation, from your ancestors. The glory they have stolen from your parents, they are stolen, they bury it. That glory must be restored. That witchcraft, Baba, I command you right now, restore. Whatever you have stolen from the children of God, whatever you have stolen from us, restore. Tout chose que il a volé dans notre vie, tout chose que il a volé, toute bénédiction que il a volé, restore maintenant. Je te commande, je te ordonne par la puissance du sang de Jésus-Christ, restore la gloire des enfants de Dieu, restore par le feu, restore. You must restore it. Yes, I decree it and I declare it by the power and the word of God, by the spirit of God, by the voice of God, by the commandment in the name of Lord Jesus Christ. Restore the glory of the children of God now. Recover your glory. Recover your glory. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jehovah El Shaddai. Thank you, Jesus. My breakthroughs. Bloqué par le ténèbre. Dans cette coute, je déclare maintenant que toutes mes péchés bloqué par le ténèbre, bloqué par le pouvoir méchant, bloqué par mauvaise fondation. Avant que je termine cette coute, relâche mon PC. Let my breakthroughs that have been blocked by wicked powers, forces of darkness, that have been blocked by demons, by altars, I command you now, before I finish this service, let it be released by fire. Release my breakthroughs, breakthroughs of my marriage, breakthroughs of my ministry, breakthroughs of my family, breakthroughs of my household. Let it be released. Breakthroughs of my children. Pray and call upon the Lord. Let it be released right now. The Lord is here. Release all the breakthroughs of your children. All the breakthroughs of your children that the enemy have blocked. Any wicked power, any power in anywhere. Power in your father's house, power in your brother's house, power in your place of birth, power in anywhere. Any altar, any shrine, any forces that have blocked your breakthroughs, I command them right now. By the power of the Holy Ghost, by the power of the blood of Jesus Christ, by the power of the blood of Jesus Christ, let it be released by fire. Que ta pécé soit relâché, avant qu'on t'amène cette coute, avant qu'on t'amène cette coute, que ta pécé soit relâché. Relâche, Lord Jesus. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Oh non, puissant, je suis à vos prières. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Toute enceinte de la peur, l'enceinte de grossesse, ça que je vais vous expliquer. Il y a l'enceinte. L'enceinte là signifie, c'est pas seulement quand il y a l'enceinte physique, quelqu'un il a le bébé, mais à la fin c'est le douleur. Alléluia. Amen. À la fin c'est le douleur. Maman de Jabez, il a couché Jabez, mais parce qu'il a passé dans le douleur. Il a donné cet fils. Son homme, il a revenu Jabez. C'est ça qu'on appelle l'enceinte de douleur. Alléluia. Il y a aussi la sainte de douleur, que tu es engrossi pour coucher le bon chose. Et tu as déjà vu ce témoignage, tu as déjà vu ça, tu as anticipé quelque chose.
Et tu as déjà vu que les choses sont en train de venir et tu sais que ça, c'est une bonne chose, mais à la fin, ça revient le douleur. Alléluia. C'est ça que c'est, cette prière, c'est ça que ça signifie. It is a prayer that talks about there's a physical pregnancy that maybe physical pregnancy when the person is about to deliver, that become like the kind of pregnancy that it becomes sorrow, like that of Jabez and the mother. The mother conceived him. He went through pains, and when he delivered, he gave him the name Jabez, which is pains. There's another one. You are expecting something, and you see he's coming. He's going to glorify God. Maybe you have received the revelation self that is going to be good, but at the end of it, that is to say, that person is pregnant of good things. But at the end of it, what you see is pain, sorrow. That is the meaning of that prayer point. So c'est ça que ce point de prière est signifié. Donc on va détruire, on va brûler cette angoisse de douleur. Toute douleur, angoisse de douleur. Toute angoisse de douleur. Assignée contre moi. Assignée contre ma destinée. Assignée contre ma vie. Assignée contre ma joie. Assignée contre mon mariage. Assignée contre ma vie. Assignée contre ma ministère et mon appel. Sois conjugué. Retour à l'envoyé. Fais ça, retourner à l'envoyé. Let it bafaya. Que cet ancêtre retour à l'envoyé. Retour. Let it bafaya. Let that pregnancy of sorrow. Pregnancy of sorrow. Pregnancy of sorrow. Let it bafaya. Let it bafaya. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Je converte par la puissance dans la parole de Dieu toute angoissesse que Dieu nous a donné, revient angoissesse de la joie au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. On va encore prendre cette prière. Toute flèche qui vient de l'enfer contre ma vie, retournez à l'envoyé au nom de Jésus Christ. Every arrow from hell, fire into my life. Arrow from hell, fire into my life. Fire into my destiny. Fire into my ministry. My calling. Backfire. Que cette flèche qui vient de l'enfer, contre ma vie. Retour à l'envoyer. Retour au nom de Jésus Christ. Retour. Let that arrow backfire. Let that arrow backfire. Every arrow coming from hellfire against my life. Backfire. Bafaya. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Au nom puissant de Jésus, avant prière. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus Christ. De plonger notre délivrance, notre prière dans le sang de Jésus Christ. De prier que tout démon qui fait n'importe quelle rage contre nous. Seigneur, quand tu m'as montré cette vision, Seigneur Jésus Christ, de prier que les flammes de feu consument tous au nom de Jésus Christ. Et tout endroit que Dieu a déjà préparé, qu'on va arriver, Dieu déclare dans notre destinée, dans notre vie, on va arriver là-bas avec la joie, avec le témoignage, avec la louange heureuse au nom puissant de Jésus, qu'on va déclarer. Amen. Notre Dieu, notre Père, c'est encore l'aile, c'est un autre jour pour manger avec toi, pour manger ta nourriture. Tu dis, prends cet petit livre, mange. C'est le temps encore pour manger. La Bible dit, donne-nous ventre. Ça coule. Et ça commence et ça produit le bonne nouvelle tous les jours. Bonne nouvelle tous les jours. Quand on nourrit avec la parole de Dieu, ça produit bonne nouvelle tous les jours. Ça nous fait toujours de connaître plus en plus celui que notre Père il est. Et où que nous on va. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Au nom puissant de Jésus Christ, dans vos prières. Au nom puissant de Jésus Christ, dans vos prières. Merci Seigneur, merci Dieu. Merci notre Père. Merci notre Père. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Par la grâce de Dieu, ce matin, Seigneur, viens prendre contrôle. Nous sommes là pour manger ta parole. Ouvre-nous tous les yeux.
Parle à nous. Manifeste ta puissance. Amen. Comme on a déjà étudié dans notre enseignement biblique de dimanche, la sagesse, l'intelligence, la connaissance ont besoin de tout. Donne-tu, on voulait rentrer dans ta parole, on voulait communier avec toi, on voulait manger avec toi. Viens glorifier ton nom. Que ton nom soit élevé plus haut dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans vos prières. Amen. Que les anges de Dieu, les anges que Dieu a signés, tous les anges que Dieu a signés pour sa parole, descendent avec nous maintenant. Et viens prendre contrôle de cette culte. Que Saint-Esprit prenne contrôle. Que les anges de guerre prennent contrôle. Et que Dieu détruit toute force de ténèbres, tout pouvoir qui n'est même pas la vérité, qui s'habille de lever contre la parole de Dieu. Que Dieu les paralyse, les détruit maintenant dans le Jésus-Christ. Que la parole de Dieu vienne avec toute puissance et rentre dans tout endroit qu'il y a le ténèbre dans notre vie et détruit tout complètement au nom puissance de Jésus-Christ d'avoir déclaré. Amen. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on va regarder quelque chose aujourd'hui très très importante dans le livre de Matthieu 23, verse 23. By the grace of God, we are looking onto something in Matthieu 23, 23. Praise the Lord. Alléluia. Are we ready? Yes. We go on. Okay. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mine and anise and cummin, and have committed the weightiest matters of the law. Judgment, mercy, and faith, these oaths ye to have done, and not to leave the other undone. Amen. 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 En français, aide-moi à lire. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, verset 23. Ouais. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va étudier la parole de Dieu encore. On va voir ce que le Seigneur a pour nous. La Bible nous a fait comprendre. The Bible says there, he said, and you have omitted. He said, woe unto you, Pharisees. Woe unto, remember that Pharisees are teachers, pastors, prophets, bishops, whatever they might claim to be today. We still have them till today. Rappelle que les Pharisiens, ils sont qui? Ils sont le pasteur, le bishop, le surintendant, le pape, tout le titre que tu veux, le prêtre, le ministère de Dieu, et n'importe quoi que tu réclames que tu es. Il y a toujours les pharisiens au milieu de nous jusqu'à maintenant. Alléluia. Il y a jusqu'à maintenant, il y a toujours les pharisiens parce que les gens lisent la Bible, ils pensent que c'est déjà passé. C'est toi-même, ils parlent de toi. Si tu es, après le message, là, quand tu vas écouter ça bien, tu vas savoir si tu es vraiment parmi les gens là, il faut aller repenter dans le Jésus-Christ. You know, when people are reading the Bible, they read it, they think that when they call Pharisee, they think that the Pharisee has gone. They don't know that it is you that is Pharisee. When you hear this message finish, you will go and check yourself very well and know whether you are not Pharisee. If you know, if you are Pharisee, you repent. Hallelujah. Amen. The Bible says, he said, woe. When God used the word woe, I don't know how some people call themselves the children of God or this. They don't used to understand this word. Woe is very, very dangerous than even curse. Woe is completely danger. It's a curse. It's only God can bring somebody out from woe. I mean, je ne sais pas comment les gens ont dit de regarder quand Dieu il dit malheur. Malheur, c'est très, très dangereux. Plus que maladie. Mm-hmm. C'est très, très... Malheur, c'est très grave.
Quand Dieu, quand la Bible dit malheur, c'est pour ça que tu ne dois pas jouer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tout en toi que tu vois cet langage malheur, il faut bien vérifier. Parce que c'est quelque chose que il y a que Dieu qui peut te faire sortir du dôme. Il y a que Dieu qui peut te faire sortir du dôme. Alléluia. Là, il a dit, hier, il a dit, malheur. Alléluia. He said, woe unto these Christians, these personalities. Woe unto you that say you are a child of God, you are a man of God, you are a pastor, you are a minister. Il dit, malheur et toi, qui dit que tu es un pastor, tu es un ministère, tu es ça, tu es ça, tu es tout le titre. Il dit, tu as laissé les choses qui sont importantes. Ce qui est important, le plus important. He said, you left the weightier matter. The weightier matter. Our topic today, the topic of this message said, the weightier matter. The weightier matter. Le titre de cette message aujourd'hui dit, le plus lu. Ou la matière plus lue. La matière plus lourde. Alléluia. C'est là le titre de cette message. La matière plus lourde. The topic of this message said the weightier matters. Jesus Christ is the one that's speaking. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a déjà parlé. Donc si tu es vraiment un enfant de Dieu ou un renseigné, tu es la Bible, tu dis que Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Est-ce que tu as déjà assis, réfléchi et demandé la Bible que qu'est-ce qui est la matière plus lourde dans la Bible là? If truly you say we know, everybody claim, God call me, I have an answer, I have the biggest church in the world, everything. And when you look at all, you don't see them preaching the weightier matters. Jesus Christ is the one that's speaking here. He bringing you and I to let us know that in this Bible, there are weightier matters. There is a weightier matter, a matter that is so expensive. There is matter that is so expensive. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Matter that is expensive. Matters that make God leave heaven and take human flesh. Hallelujah. It is not a small matter. It's a very weight. It's a matter that has a weight. Tu vas savoir que il y a quelque chose. Si tu es vraiment quelqu'un qui est un enfant de Dieu, tu étudies la Bible bien. C'est pas que tu es en train de chercher le plus grand église dans le monde. C'est pas que tu es en train de chercher l'argent. Tu es en train de faire tout. Tu voulais construire le paradis dans le monde. Tu dis que c'est ça que Jésus-Christ t'a envoyé d'aller faire. Il a dit, tu as laissé. Il dit, tu as laissé le plus important. Tu as laissé ce qui est trop lu. Tu es lu. Tu as dit que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es en train de voir ça que tu fais. Ah, je vais à l'église. Est-ce que Jésus-Christ est en train de parler là-bas? Il dit, malheur à vous. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le ministère. Toi qui dis que tu as déjà des niveaux, est-ce que tu connais ce qui est plus le dans la Bible? Est-ce que tu connais ce qui est trop le dans la Bible? Est-ce que tu connais? Est-ce qu'on t'a déjà renseigné ça? Est-ce que tu as pris ça vraiment très important dans ta vie? Est-ce que tu as déjà considéré ça dans ta vie? Est-ce que tu as même ça? Le problème aujourd'hui, c'est que est-ce que on a ça? Le plus lourd. Ça qui a fait Dieu lui-même, il a déplacé, il a quitté dans son royaume et prend la chair humaine et descendait sous la terre. Est-ce que tu as déjà pris ça? C'est ça que Jésus a dit de renseigner ici. That is what Jesus Christ was saying here. The weightier matter. But what we see today, c'est pour ça que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Le temps que le Seigneur est en train de me renseigner cette chose, en train de me renseigner, ça vient tomber, il m'a fait de tomber sous cette titre. Tomber sous cette verse dans la Bible. J'ai choqué. Il y a des choses. On doit comprendre les choses. Aujourd'hui, tu vas dans l'église. Ça qu'on va te présenter, c'est
La plupart de l'église aujourd'hui, c'est le dîme offrande, sacrifice de offrande. Et les autres disent sacrifice de grâce. Les autres disent sacrifice de quoi? Les autres disent toute la façon pour prendre l'argent. C'est ça. Et est-ce que ça fait de l'air essayer ici? Hé, hey, regardez, toi, pasteur, toi, ministère, toi, pharisien, n'importe quoi que tu es, n'importe quoi que tu es, viens ici, sortis ici. Et je vais te dire, je vais te dire quelque chose. Tu es seulement en train de considérer comment tu vas, tout ça que tu renseignes dans le monde, dans ton église, c'est comment les gens vont payer leur dîme. Tout ça que tu es intéressé, c'est payer le dîme, payer l'offrande, payer le sacrifice, payer ça, payer ça. Même celui qui est. Même celui qui vient dans l'église, même celui qui ne considère pas Jésus-Christ, même celui qui ne va pas dans le Seigneur, même celui qui ne connaît pas le Seigneur, tout le monde, ça que tu es intéressé de payer ton dîme, tu peux rester chez toi, il n'y a pas de problème, Dieu, la grâce de Dieu te couvre. Ça c'est le renseignement satanique. You only hear from them what they were telling these people is pay your tithe, bring your tithe, even though you pay, don't worry, pay your tithe and your offering. If you like, you stay at your home. If you like, you fornicate. If you like, you lie. As long as you are paying your tithe, God covers you. As long as you pay your sacrifice, as long as you pay your sacrifice offering, deliverance offering, doing this one, as long as you give the pastor money to go and pray for you, God have answered your prayer. This is demonic teachings. That's what Jesus Christ was saying there. C'est ça que Jésus a dit de renseigner là-bas. Il y a les autres qui vont dire, amène l'argent, on va jeûner pour toi. Et comme tu as amené l'argent, on a jeûné pour toi, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un, il y avait un seul qui m'a donné un témoignage. Le pasteur qui prie pour lui, et après il a demandé l'argent. Comme il n'est pas donné, le pasteur, il a fâché. Il n'accroche pas son téléphone encore. C'est ça que Jésus a dit de parler ici. Il y a les gens, j'ai déjà raconté les gens dans cette vie, qui vient dans notre église avant même. Seigneur m'a donné le message pour aller lui donner que ta dernière, ça c'est l'église là, c'est ta dernière église et c'est la dernière chance que Dieu te donnait pour repenter. Si tu n'es pas repenté, le Seigneur m'a dit de lui dire, et je lui dis ce message. Le Seigneur, il a dit, moi, ce n'est pas que je te dis, c'est pas mon église. Moi, je viens ici pour venir faire l'œuvre de Dieu. Demain, peut-être, c'est pas, je vais quitter, c'est pas moi qui va continuer d'être votre pasteur. Mais voici la prophétie de Dieu que Dieu m'a dit de te donner. Là, Dieu il dit, si tu as déjà fait trop de bêtises dans ta vie, tu as déjà fait trop de bêtises et tu l'as déjà provoqué trop, que cette église c'est ta dernière chance de repentir. Si tu n'es pas, si tu refuses, il dit, cette repentance c'est fini pour toi. Les gens ne savent pas que Dieu nous donne la grâce. Il y a la grâce. Il y a les gens qui ont déjà fini leur grâce. La grâce pour repentance, c'est fini. On va voir tout dans la Bible. There is people, when I meet, that somebody I meet in this ministry, that came to this ministry, and God, when he was misbehaving, God told me to go and tell him that this church is your last bus stop. You have done a lot of rubbish thing and a lot of evil, and you have provoked God so much. He said, if you miss to repent and follow my teaching in this ministry, he said, you will never make it again. I will turn back from you. I have given you the last chance. And what was the response to me? He said, God cannot tell me that because he said, God know that I love him so much. I used to pay my tithe. I used to help the church of God. I used to do this. I look at him and said, I looked at him and said, you are doing all this with all this wicked life you are living. You are doing all this thing with all this atrocity you are living. You are doing it and you don't repent and say you are serving God. I have given you the last voice of the Lord, which he told me to tell you. I come to you to tell you that. Did I send somebody to you? I come to you to tell you what God said I should tell you. I am not telling you this that I want you to come and worship here. It is not my ministry. I am doing the work of God. It's a ministry of God. If I finish today, I can go. Another person will come and take over the pastoring of the church. It's not compulsory. So I'm not think that I'm telling you to come and worship with me. What I'm telling you, the gospel truth and the message that God gave me. And I come to meet you to tell you that. The deal of person, quand il a dit ça, il m'a dit, le Seigneur ne peut pas me dire comme ça parce que le Seigneur sait que je lis même trop, je paye ma dîme et je supporte son love, je donne l'argent, je fais tout pour son love, je fais tout. Le Seigneur ne peut pas dire que ça, c'est ma dernière chance, c'est pas ça, il n'est pas quoi. Je dis, ok, il n'y a pas le problème. Mais tu as vu, non? Tu ne peux pas voir, c'est pas n'importe quel pasteur, tu ne peux pas voir un pasteur qui peut venir te confronter et te dire ça. Tu es un homme comme moi. Tu es un homme comme moi, c'est pas une femme, c'est un homme comme moi.
Donc, Dieu vient te dire ça, que la parole de Dieu, il dit, le Seigneur m'a dit, la prophétie, la révélation que Dieu m'a dit, que si tu n'es pas repenté, il dit Dieu, il est même, tu m'aimes Dieu, et tu m'aimes Dieu, dans toute la vie qui est pourrie là, que tu es en train de vivre, la vie que tu es en train de vivre, que tu es en train de crucifier Jésus-Christ, plus en plus, dans l'église comme ça, tu es venu dans l'église comme ça, ça que tu es en train de chercher, c'est pour détruire l'église avec sexe, pour poursuivre les filles et pour détruire les gens qui sont dans l'église. Et Dieu te donnait la dernière chance pour répandre. Répandez, sinon, tu vas... Il y a la grâce. Dieu il donne la grâce. Quand cette grâce, quand le temps arrive, ça termine. On va voir ça dans la Bible. Donc, que Dieu aide au nom de Jésus-Christ. Les gens, des fois, ils sont déjà à prendre les gens. Les gens pensent qu'ils peuvent acheter Dieu avec l'argent. Ils ne demandent même pas que, qui a même l'argent. Ce n'est pas Dieu. C'est ce qui a créé l'argent. C'est Dieu. Donc, tu ne peux pas lui acheter avec les choses que lui-même il a créées. Tu payes ton dîme, tu payes ton offrande, c'est le commandement. C'est le commandement. Si tu ne payes pas, ça va t'amener à l'enfer. Ça te regarde. Si tu ne payes pas, tu vas, le jour qu'il va demander ça, tu vas savoir. C'est son commandement. C'est la même chose quand il te dit ne vole pas. La même chose. Si il te dit ne fornique pas, c'est la même chose. Péché, la Bible dit péché, c'est péché. Alléluia. Donc, la Bible nous a en train de faire comprendre. So that's why you pay your tithe, you pay your offering, you don't pay. It is a commandment. If you don't pay, you will deal with you with it because it's a commandment of God. Tithe and offering is commandment of God. Even seed sowing, everything, they are commandment of God. Même le sacrifice, même tout, c'est le commandement de Dieu. Même pour aider son love et même pour aider support son ministère, son pasteur, c'est le commandement de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Tout c'est dans la Bible. Tout se donne la Bible. Donc, si tu ne fais pas ça, il t'attend. Dieu t'attend. Alléluia. Donc, mais aujourd'hui, la Bible nous a fait comprendre que Jésus-Christ est en train de refruit le pasteur. Il est en train de refruit le ministère, refruit le toi qui dis que tu es le grand église et tout ça. Dieu est en train de te parler maintenant. Écoute ce message. You that said that you have big church, you have this. God is warning you. He's there rebuking the pastors and the ministers that you have left the weightier matter. Il vous avez laissé la matière lourde, plus lourde dans cette affaire. Ça que vous êtes de faire, c'est vous êtes seulement intéressé de prendre la ressource des gens. Ça que vous êtes de faire, seulement vous êtes de dire les gens que si tu payes ton dîme, tu vas avoir la salut. Comme ils sont, c'est dedans aussi, ils sont prêchés. Les gens qui prêchent les purgatoires. Si tu gardes l'argent, les gens, ils gardent l'argent pour aller acheter le purgatoire. Il dit que pour toi, si tu as l'argent, tu mets. Le catholique, il dit, tu mets. Tu vas donner l'argent. En fait, tu fais ça. Et le prêtre, il va aller donner ça à Dieu. Il va aller donner ça à Dieu pour t'acheter le paradis. Alléluia. Regarde tout le faux message. This is are the same things also. This is what Jesus Christ was rebooking. They have trained, they have taught people, brainwashed the people, use their brain, ils sont fait les gens, enlever leur mentalité, leur sagesse, leur connaissance. Ils sont enlevé tout et dit les gens que avec ton argent, tu peux acheter le royaume de Dieu. They taught people to the extent that they tell them purgatory, when you die, so you'll be saving money. So after you die, they will now give money to the priest so that he can use the money to maybe use the money to settle God. God now will now give you a place in his kingdom. Just imagine Jesus Christ say you have left the weightier matter. Jesus Christ dit, vous avez laissé la matière plus lourde dans cette affaire. Qu'est-ce que la matière plus lourde? What is the weightier matter? What is the weightier matter? We are going back into that verse again. Go and see it. Edmond encore lit cette verse encore. Alléluia. Amen. Let me read that verse again. Verse 23. Uh-huh. Praise the Lord. Hallelujah. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mine, and annize and commend, and have omitted the weightiest matter of the law. Of the law. Mercy and faith. This ought ye to adore. Thank you. Not to leave the order of God. He said,
weightier matter of the law. And the law is what? The Bible. The Bible carries the weightier matter. Il a dit quoi? Aide Mali en français. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et la loi là, c'est quoi? La loi, c'est quoi? La Bible. La parole de Dieu. Il y a la matière plus lue dedans. Alléluia. Et rappelle, c'est pour cela qu'il a dit, dans le dans Jean 5, 39, Jésus-Christ a dit quoi? Fouillez dans l'Écriture. C'est là-bas que vous allez trouver la vie éternelle. La vie éternelle qui parle de moi. That's why Jesus Christ also, he said what again in John 5 verse 39, he said, search you the scripture. Inside it, you will locate me. You will discover what concerns eternal life, what is written about me. Hallelujah. Amen. Finis cette verse. La justice, la miséricorde et la fidélité. Hallelujah. Hallelujah. Qu'est-ce que... fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger quoi? Les autres choses. Alléluia. Car que Dieu nous aide en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, amen. Qu'est-ce qui est la matière plus lourde? Alléluia. Amen. Il a dit ça là-bas. What is the weightiest matter? He said judgment. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? La première chose, la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. C'est le judgment of God. Dieu, tu as laissé, tu es pasteur, tu es ministère, tu as dit que tu es en un niveau, tu as laissé pour enseigner les gens le jugement de Dieu. You said you are a child of God, you said you are a minister, you said you are pastor in church, you refuse to teach the people the judgment day of God. The judgment of God, the destruction that is coming ahead. What will happen to sinners? What will happen to anyone that play with God? Hallelujah. As Jesus Christ is explaining there. Judgment of God, destruction of God, the wrath of God, the anger of God that is coming upon whether you pay, you as long as you pay your tithe, you are not walking in righteousness. Judgment of God is waiting for you. Tu as laissé, tu as refusé pour enseigner les gens la justice de Dieu, le jugement de Dieu, la destruction de Dieu, la colère de Dieu, le fait de consomption de Dieu, que Dieu va juger, consomme tous, qui est en train de payer le dîme et qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est en train de payer les offrandes, tout ce qui a construit la maison, qui a bâti l'église, mais qui ne marchait pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui t'a acheté la voiture, on t'a acheté la voiture, on t'a acheté la maison, on t'a donné la clé, on t'a acheté l'avion. À cause de ça, tu ne peux pas les renseigner le jugement et la destruction de Dieu qui sont devant lui, qui est en train de venir là, qui est en train d'approcher avec toute la colère. Alléluia. Amen. Because of the abortive car, the judgment of God, the anger of God, the wrath of God, because of their paying your house, because of their giving you money to eat, because of their giving you tithe and offering, because of your collecting sacrifice and whatever it is, because of their bought you plane, because of they are enriching your pocket and your account, you refuse to teach them the judgment, the destruction, the anger, the wrath of God. Because of that person, they build the church of God, they build that church. Because of that, you have withdrawn from them. The judgment of God. You withdraw from them the weightier matter in the Bible. Tu as retiré dans leur vie la matière plus lourde. Tu as retiré ça. Tu ne voulais pas leur dire la vérité. À cause de yom yom yom, ça que tu vas manger. À cause de ta poche. Because of your pocket. You withdraw the weightier matter from them. Across de ton compte, tu as retiré le danger qui est devant eux là-bas. Tu as retiré ça
et tu dis que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, la colère de Dieu t'attend. Il t'attend. Ça, c'est la première chose. The first thing is, you withdraw judgment of God from them. Which we can see in Luke. Luke 16, verse 19 to 31. C'est que on peut voir dans le Luke 16, verse 19 jusqu'à 31. Ça parle de Lazare avec l'homme riche. Lazare avec l'homme riche. Peut-être l'homme riche aussi, il est comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont riches. À cause des gens qui sont riches dans ton église, tu ne prêches pas la vérité. À cause de l'argent qu'ils ont tenté de contribuer et donner, tu ne prêches pas la vérité. Cet jour, tu vas revenir comme cet homme. Et toi aussi, qui es dans cette église, en train d'écouter, écouter le faux message, parce que tu es en train de. C'est toi qui as bâti l'église. C'est toi qui as construit l'église. C'est toi qui es en train de donner le plus. Tu as acheté le vatu pour l'église. Tu es resté dans cette église. Regarde, va lire là-bas. Luc 16, 19 jusqu'à 39. L'homme riche avec toute son richesse, il a pleuré à la fin de sa vie. Alléluia. Amen. You read that place, you see it, Luke 16, verse 19 to 31. Because of that man, he's talking about Lazarus and the rich man. Because of those rich people that hang in your church. Because of that, you withdraw the truth from them. Because they are giving you money, they are making you to, they are enriching your pocket. They give you all the satisfaction you want on this in this world. Because of that, you withdraw the truth from them. Read that place, you will see what happened to the rich man. Maybe the rich man also go to church during his time. He might also be going to church and giving all his words to the pastor. Go and read it and see what happened to him. At the end of it, the rich man cried. You that are in that church, where there is no truth, where truth is not coming, where the man of God is looking at your riches, because of that he doesn't speak the truth. You are going to pay very high on that day when Mr. Death will come and see you. Because the Bible said, after death, there is judgment. Judgment is waiting for you. That's why Jesus Christ is telling them there. They have withdrawn judgment from the people. They withdraw judgment from the people. They don't allow them to know what is waiting for them after death. And you are dancing and you are following that church. Where there is no truth, where they are not warning you, the way you are behaving, the way you are dressing, the way you are talking, the way you are operating, whatever you are doing is not good. You will go to hell. They don't tell you because of what you are getting, the pastor is getting from you, or what the church is getting from you. Your end will be like of that rich man. À cause de l'argent que tu donnes au pasteur, à cause de la richesse que tu donnes au pasteur, à cause de toutes les choses que tu donnes au pasteur, à cause de ça, ils sont commencés de faire n'importe comment. Et à cause de ça, tu ne veux pas leur dire la vérité. Et ils sont en train de comporter n'importe comment, habiller n'importe comment, faire les choses n'importe comment, menteur, fornication, immoralité. Tu vois, mais il y a le pasteur même, tu vois les choses qu'il fait, que ce n'est pas bon. Tu ne dis pas ça. À cause de quoi? À cause de ça que tu gagnes dans l'elle-même. Et toi aussi, tu es dans cette église. Tu restes dans cette église. Et tu restes dans l'église aussi. Et tu caches là-bas. Et tu dis que tu es en train de supporter l'église. Et Dieu sait que c'est nous qui gardons l'église. C'est nous qui payons l'église. C'est nous qui faisons ça. Tu restes là-bas. La vérité ne vient pas. Et tu sais que la vérité ne vient pas. Tu continues de troubler toi-même là-bas. Et tu dis que tu vas aller dans le royaume de Dieu. Va aller lire et comprendre ce qui a passé dans la vie de l'homme riche. Amen. Avec toute sa richesse, il a pleuré à la fin de sa vie. Amen. La matière plus lourde. C'est amen, mais c'est la vérité. The weightier matter. It's bitter, but it is the truth. Il donne l'aide de notre Jésus Christ. Le deuxième point, c'est quoi? La merci. La miséricorde de Dieu. The second point is the mercy of God. You withdraw from them. Look at what is said. What is the mercy of God? We are going to see in Isaiah. Let us see Isaiah 61. We read 1, 2, and 3. On va lire. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? On va voir quelque chose du don. On va voir ce que. On va lire là-bas. On va connecter ça encore avec Luke 4. On va voir ce qui a passé là-bas. À Isaïe 61. On va lire 1, 2. Je pense aussi 3. Let us read this. Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the broken hearts, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. And the day
conveyance of our God. Wait. To proclaim the year of acceptable of the Lord. Comma. To proclaim the acceptable years. To proclaim the acceptable Lord. Years of the Lord, comma. Mm-hmm. And the year and the day of vengeance of the same God. Of the same God. Thank you. It's okay there. It's okay. It's okay. To comfort all that mourn. It's okay. To proclaim the acceptable years of the Lord is mercy. Is the mercy that Jesus Christ is talking there. It's mercy. Now, the day of vengeance of the Lord is the judgment. Mm-hmm. Is the day of judgment where no mercy, no more mercy. Is the day of destruction. Is the day of death. When the person die, when you die, no more mercy. The life you live, you face it. Hallelujah. Immediately somebody dies, he died in sin, no more mercy. To proclaim the accepted years of the Lord is as you are hearing the preaching now, as you are speaking to you now, as you are still have ear now, you are still hearing this message, this truth message. This is the day of acceptable of the Lord in your life. That is the mercy that Jesus Christ is talking there in Matthew 23:23. That is the mercy. The acceptable year of the Lord in life of everyone is still mercy. You are still under mercy. Immediately that acceptable year is cut off from your life, you will now face the day of vengeance of God, the anger of God. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Edmali. Esaïe chapitre 61, verset 1. L'esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mm-hmm. Pour proclamer aux défauts. Tout cela, bien aimé, c'est sa miséricorde qu'il a été annoncé là. All this one that's coming from verse 1 is mercy. Continue. Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, mm-hmm. et aux prisonniers la délivrance. Mm-hmm. Pour proclamer une année de grâce. Merci. Attends là-bas. Pour proclamer l'année de grâce. C'est ça qu'il a dit dans le Matthieu 23:23. Vous avez retiré pour annoncer pour les gens l'année de grâce. Combien des années que tu as déjà utilisé dans le monde là, que tu as été de s'amuser avec Jésus-Christ? Cette année de grâce. Cette année de grâce. Tu dois annoncer, il est prêché, il est dit que il y a l'année de grâce, mon frère et ma sœur. Toutes les bêtises que tu as été de faire là, que tu dis que tu as été de servir Dieu. Toi, pasteur, toi, bishop, toi, prêtre, toi, n'importe quoi, toi, pape. Tu es dans ta nid de grâce. Tu es dans ta nid de grâce. Mes enfants, ma fille, ma femme, mon mari et n'importe quoi. Tu es dans la nid de ta grâce. Dieu m'a appelé, il me coin pour venir proclamer et annoncer la nid de grâce. Après ça, maintenant, lis-le, ça qui est suit. Ça qui est suit, c'est quoi? Et un jour de vengeance de notre Dieu. Les jours maintenant, le deuxième, après la nuit de grâce, il y a comment? Il a mis comment? Oh. Oui. Après maintenant, il a dit, il y a ça qui va les suit. Après la grâce, ça qui est suit, c'est la vengeance, ce qui est le jugement. Il a revenu. C'est tout ça là, c'est ce qui donne le Matthieu 23:23. La jugement là, c'est le premier qu'on a traité là, c'est la jugement. Après la nuit de grâce, ça qui est sous la nuit de la vengeance de Dieu, ce qui est la jugement de Dieu. Après la grâce que tu as été utilisée n'importe comment là, après les années que tu as été utilisée n'importe comment là, tu as été de fréquenter l'église et dire que tu saves Dieu alors que tu ne saves pas Dieu. Tu as été d'aller dans l'église, aller faire le cérémonie, dire que tu saves Dieu, alors que c'est faux. Tu es pasteur, tu vas là-bas, tu rassembles les gens. Tu as été de faire les bêtises, tu dis que tu rassembles les gens. Ah, vous êtes dans l'année de grâce. Après l'année de grâce, ça qui vient, c'est la vengeance. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer dans le Matthieu 23:23.
Vous avez trompé les gens, tenté de tromper les gens. La Bible dit tromper sous le tromperie. Tu es en train de tromper les gens, en train de récupérer leurs finances, leur argent et tout, sans leur dire la matière plus lourde. Sans leur dire que ta dîme, sans vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, ta dîme et ta offrande ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Tu as bâti, tu as construit un grand cathédrale pour le Seigneur. Tu as versé milliards d'euros, milliards de dollars de dons sans marcher dans la sainteté. La sainteté, c'est la matière lourde, plus lourde. C'est la matière plus lourde. You build a church, you shower billions of dollars in that church and build that church and do whatever it is. Buy a replay for the pastor or whatever. It is not the weightier matter. The weightier matter is holiness. Holiness. Without it, you can't see the Lord. The weightier matter. You receive prophecy. There are some people, all they are pursuing around in the church is a prophecy, 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 prophecy. You are pursuing prophecy, but the Bible, Jesus Christ says, you abandoned, you omitted the weightier matter. Hallelujah. Il y a les gens dans l'église, ça qui sont en train de poursuivre dans l'église, ils fréquentent tout le nom de Dieu, ils fréquentent quoi, ils cherchent quoi? La prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie. Ah, Jésus-Christ dit, tu as abandonné ce qui est plus lourd dans la Bible. Tu es en train de poursuivre la prophétie. Tout dépend de ton argent, seulement celui qui te donne la prophétie. Ah, tu vas terminer comme l'homme riche, il a terminé. You will end it up as the rich man end it up. Alléluia. Il y a le jour, toi, un enfant de Dieu, dans ton message, tu prêches, il y a le jour de la vengeance de Dieu. Il y a le jour de grâce. Tous qui sont autour de nous, dans notre famille, nos enfants, notre mariage et tout, notre mariage et notre mari et tout, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Tu as encore de gaspiller tes années de grâce. Alléluia. Amen. You, in our family, our brother, our sister, our mother, our father, whatever it is, whoever, we are telling you this truth, you don't want to accept it. The Bible says you are just squandering and destroying and squandering your years of mercy. When that years of mercy will finish, you will face the anger of God. The vengeance of God, the wrath of God, which you can never reverse it back. Quand tu as gaspillé toute cette année de grâce, tu vas rencontrer maintenant l'année de la colère de Dieu. Cette année, cet jour de colère de Dieu, personne ne renverse pas cet jour. Ton âme ne peut pas jamais renverser ça. Ton dîme et son offrande ne peut pas renverser ça. Ton argent de grâce, ça que tu as dépassé dans l'église, ne peut pas jamais renverser ça. Par la grâce de Dieu, on a écouté un témoignage d'un seul de MFM. Ce témoignage, il a trouvé un seul. Il dit, il y a trois choses que cette seule a fait dans l'église qu'elle-même ne peut pas oublier. Dieu lui a montré cette seule dans à l'enfer, il est en train de brûler. Il est en train de brûler à cause de quoi? Un seul péché, le péché de rancœur. Rancœur, ne pardonne pas quelqu'un. Le rancœur dans son cœur, c'est ça qu'il a amené là-bas. Mais la sœur, il a rappelé trois choses qu'elle a fait dans l'église. Trois choses très très importantes. Moi, je dis les gens, peut-être, elle est parmi les gens qui a construit cette église là où elle est prête. Dans l'église, ce n'est pas l'autre église. Dans l'église, dans l'autre branche de MFM. Alléluia. We have heard the testimony of our sister. We had the testimony. She said, when she died, God took her. She when she moved into hell, she saw a sister that both of them worship in the same church. This sister did three things. There's three important things she did in the church before she passed away that she herself never forget. But what brought her into hell was unforgiving spirit, hatred.
hatred. So it is not, that's why men of God, Pharisees, you Pharisees, teach them the weightier matter. C'est pour cela que toi, Pharisien, toi, homme de Dieu, Pharisien, renseignez-les ce qui est plus lourd dans la Bible. S'ils voulaient partir, laisse-les partir. Combien que Jésus-Christ, tu ne lis pas la Bible, va aller voir. Jean 6, on l'a tous laissé. Il n'y a que 12 qui sont restés avec lui. Parmi les 12 là encore, Satan il a venu prendre encore un. Il reste maintenant 11. 3 ans, 6 mois d'évangile. 3 ans, 6 mois d'évangile. Il n'y a que 11 personnes. 11 hommes. On sait qu'il y a les femmes dedans, mais hommes, 11 hommes seulement. Qu'il a, qui sont fidèles. Les fidèles. You say you are a pastor, you say you are looking for members, you are looking to gather the whole world, you are looking to this, you withdraw the weightier matter from them. What kind of message, what kind of calling he called you? Even Jesus Christ himself, 3 years and 6 months of his evangelism, his active gospel activity on this earth. He only, read John 6, it's only 12 people, others left him. When he was teaching them the weightier matter, the weightier matter. When he enter weightier matter, you will open the kingdom of God for them. He opened the kingdom of God for them. They all left. It was only 12 that remained. Even among that 12 that remained, Satan also come and take one. 11 was what left. 3 years, 6 months of active gospel work. You want to gather the whole world because of money, because you want to be the most popular pastor in the world. You will end it up as the rich man did. He gathered the whole world. At the end of it, he lost it. Tu es en train de travailler, tu voulais avoir le plus grand église dans le monde. Jésus t'a dit, tu dis que tu as envie de faire l'évangile. Quel évangile? Évangile que tu fais, que tu as déjà retiré ce qui est plus lourd dans cet évangile. C'est pour cela que les gens sont en train de courir derrière toi. What kind of a crusade are you doing? What kind of evangelism are you doing? What kind of pastor you are doing? The weightier matter in the gospel of Lord Jesus Christ, you have withdrawn it. You withdraw it from them, and that's why you see multitude are following you. You have removed the weightier matter. You don't hammer it anymore. You don't deal with it anymore. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus Christ. Amen. The weightier matter. That is the second point there, the mercy. You are preaching, when you are preaching message of God, and you are not announcing unto them the day that they are in the day of mercy now. They are in the day of mercy now, and they need to repent, because that day of mercy, if you squander it finish, you are finished. You are finished. Immediately you squander it finish, you are finished. May God deliver us in the name of Jesus Christ. He said, "I don't know Jesus Christ." Donc, c'est pour cela qu'on doit faire très, très attention. That's why we have to be very, very careful in what we are doing. We have to be very, very careful. On va dans l'église n'importe comment. L'église qui n'est pas te dit les choses qui sont très lues dans la Bible. Les choses qui sont très importantes. Tu vas dans l'église pour aller seulement pour faire un amikami. Et je vais aller voir mes amis. Et on a grandi ensemble. Nous sommes amis depuis 30 ans. Depuis ça. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ est envoyé pour venir faire? Au lieu de chercher, va aller chercher où que tu vas retrouver ce qui est plus lu dans la Bible. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. May God help us in the name of Jesus Christ. That's what they go to do in the church. You go to church, you go and be looking for things. You are going to make friends, make things that are not important in the Bible. Things that not glorify God in the Bible. Things that not make God, present God into your life. May the Lord deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. He said, "Aide au nom de Jésus Christ." Amen. He said, "Nous délivre au nom de Jésus Christ." Amen. Ça c'est le deuxième point. Sa miséricorde. Le jour de miséricorde de Dieu. La nuit de miséricorde de Dieu, c'est toi, c'est ça que tu dois aller chercher et faire toute la possibilité et voir que tu ne s'amuses pas avec ta vie et tu ne perds pas le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Donc c'est très très important, bien aimé. C'est très très important. Le troisième,
It's very, very important. You go to church, go and seek, go and hear the raw word, raw, raw. If you go to that church where they are not preaching the raw, you have to depart from it. You need to go to where you will hear the raw. They will teach you the message. That's three things. Jesus can break it there. Three things. Let us go on again. What is the weightier matter? Le troisième. Qu'est-ce que la matière plus lourde? Le troisième, il dit quoi? Le troisième, il dit la fidélité. Faith. The faith. The third one is faith. On a déjà renseigné. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la fidélité? What is faith there? If you check it, you said, faith, we have already teach you, we have made it understand. The faith, just as he's talking about the revelation. Mm-hmm. Revelation. Qu'est-ce que l'Esprit Saint dit? La foi que l'Esprit Saint dit de parler là-bas, c'est la révélation. La connaissance de sa parole. Tu as oublié, tu as laissé, tu n'es jamais renseigné. Tu as même, parce que tu ne connais pas même la révélation de Dieu. What is saying that the faith there is revelation of the word of God. Revelation, understanding God. Without the revelation of the word of God, you are just a church goer. You are just a church goer. You will never know God. You will never know who God is. You will never know all these things that we are talking about. They will just be there. You just be hearing them. You just understand what is happening. You don't understand what is happening. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus Christ. C'est très, très important. Si tu ne connais pas toutes ces choses, tu vas continuer d'aller à l'église, en train de jouer là-bas, en train de passer ton temps. Et à la fin, la personne va terminer à l'enfer. La personne va terminer à l'enfer. Que Dieu nous aide au nom de Jésus Christ. La fidélité, c'est la révélation, la foi pour connaître la parole de Dieu. Qu'on trouve dans le livre de Romains, Romains 1, verset 16 et 18. What we get in Romans 1, verse 16 to 18. Revelation, he said, from revelation to revelation. From revelation to revelation. De révélation, la foi sous la foi. Aide-moi en français. Je vais aide-moi. Que God deliver us in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Romains 1, verset 16 to 18. Romains chapitre 16 et verset 1. Je vous recommande notre sœur Fédé, qui est diaconesse de l'église de Saint-Fruit. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle peut. Romains 1, verset 16. For 16. Yeah. Romans 1, 16. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Uh-huh. For it is the power of God unto salvation. Uh-huh. To everyone that believeth, to the Jews first, mm-hmm. and also to the Greek. Uh-huh. For therein is the righteousness of God revealed, mm-hmm. yes. from faith to faith. From as it is written. Thank you, Jesus. Just shall live by faith. He said, Jesus Christ is saying there, he said, see what Jesus Christ picked three things, very, very important in the Bible. He said, the righteousness of God is revealed inside this Bible from faith to faith. Faith to faith, there is revelation to revelation. Revelation to revelation. Don't, that's to say, every age, as we move in the Lord, we're going to have revelation and going to understand God more and more, more and more, more and more, more and more. Abel understand that he have to use the biggest ram from his sheep to sacrifice, to pay his tithe and offering to the Lord by revelation. By revelation, you will know what you're supposed to do according to the Bible. Il dit, par révélation sur révélation, la justice, tu vas connaître la justice de Dieu. La justice de Dieu s'est réveillée, la foi sous la foi. Aide-moi à lire en français. Romains 1,
verset 16. Oui. Le 17. Mmh. Car je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ah. Des juifs premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Mmh. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la révélation. The just shall live by faith. The just shall live by revelation. The just are those ones that have been bought by the blood of Jesus Christ. And they live by revelation. The revelation is they will continue to know Christ more and more, to the day we will leave this earth. Hallelujah. Le juste vivra par la foi signifie que nous, le juste là-bas, c'est tout ce qui a déjà racheté, donner l'élevé à Jésus-Christ. Donc, comment ils vivent maintenant? Ils vivent par révélation. La révélation, c'est par la connaissance de Dieu, chaque jour, un par jour, une minute sous une minute, seconde sous seconde, minute sous six minutes, elle pour elle, sous elle, jusqu'à le jour qu'on va quitter dans le monde là. Le juste vive par la foi. Signifié, le juste vive par révélation, chaque jour de leur vie. Il dit la justice de Dieu, la sainteté de Dieu s'est réveillée par révélation sous révélation. Alléluia. Amen. Vous avez vu la parole de Jésus-Christ. You see the word of Jesus Christ was using there? The three words he break down there, we are still going to see more things. The weightier matter. What is the weightier matter? Vous avez vu ça que Jésus-Christ a parlé, trois choses que Dieu, Jésus-Christ a laissé dans cette Matthieu 23. Vous avez vu que c'est tout dans la Bible. La matière plus lourde que vous avez laissée. Vous avez dit, allez à l'église. Fais un prophétisé. Regarde comment ta vie il est. On ne te renseigne pas que la façon que tu as habillé, ce n'est pas bon. Ça, c'est le matière lourde dans la Bible. Que vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas attendre, votre pasteur ne voulait pas vous le renseigner, votre église ne voulait pas vous le renseigner. Ah, tu vas terminer comme l'homme riche. You are in the church where they don't teach you how to dress. That Christianity have their own way of dressing. God have his own model. God have his own way that his child, he have prepared his children to dress in a different way, that they're not supposed to dress like the world. Jesus, God has prepared his children that those type of dressing, those type of seducing dressing, those type of attitude and character that you're not supposed to put it on. And your church is telling you that it doesn't mean, the Bible says, Jesus Christ say, you people have left the weightier matter. And when you left the weightiest matter, you will end it up like the rich man. The rich man in Luke 16. You will end it like that. May God help us in the name of Jesus Christ. Amen. On continue. What is the weightier matter? Qu'est-ce qui est la matière plus lourde? Alléluia. La matière plus lourde, encore dans la Bible, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Qu'ils sont prêts aujourd'hui et mélangés et faire n'importe comment. Jésus-Christ, il est arrivé dans Jean 3. Jesus Christ also, what is the weightier matter again? We see another point again. We see the justification. We see the sanctification. We see the baptism of the Holy Ghost. That Jesus Christ again, take it again. He teaches about it again in John 3. He opened it there again and begin to break it down again for us. And he's teaching it there. He's also talking to a pastor there, a Pharisee, a pastor, a Jew, a pastor that gathered the children of God. You gather them, you don't know anything concerning salvation. Alléluia. Jésus Christ encore, il a pris la parole encore dans le Jean 3. En train de renseigner encore le 3-4 là, le 3-4 qui est aussi la matière plus lourde. Il est en train de renseigner encore. Toi, pasteur, il y a un pasteur là-bas, un pharisien, un juif, un chrétien qui a rassemblé les gens, dit qu'ils sont Jésus pasteur, Dieu m'a appelé. C'est lui aussi qui a venu voir Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit de lui renseigner les trois choses là, les choses qui sont très importantes dans la loi. Alléluia. Amen.
Quand on lit à partir de verset 1, à partir de verset 1, jusqu'à le temps qu'on va lire, on va arriver verset 9. Quand le monsieur là, il a mangé la parole bien, il a dit, comment on va leur enseigner ça? Ah! La condition des pharisiens aujourd'hui qui disent qu'ils sont pasteurs. Look at it. Jesus Christ taught this man, taught this pastor to the extent that when he get to verse 9 or 10, he now open mouth and ask Jesus Christ, I don't know those things. How will we teach them those things? You call yourself a pastor. You call yourself a bishop. You call yourself a minister. You call yourself that you are born again. Tu dis que tu as déjà né de niveau. Tu ne connais rien dans la Bible. Tu ne connais rien. Tu ne connais pas justification. Justification, c'est la repentance. Comment Dieu t'a racheté? Comment Dieu t'a pardonné? Ça parle aussi de miséricorde de Dieu. Le miséricorde de Dieu, comment il t'a racheté? Après ça, maintenant, après la justification, il t'a déjà justifié. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Tu as besoin de la sanctification. Sanctification, c'est quoi? Maintenant que tu as un net de niveau, tu vas commencer à apprendre la parole de Dieu. Lui-même, il a dit ça encore, il a répété ça dans le livre de Jean 17. Jean 17, il dit, vous savez déjà sanctifié par ma parole. Sanctifiez-les par ma parole. Alléluia. La parole de Dieu, il vient comme l'eau pour te nettoyer. Parce que le temps que tu as confessé Jésus-Christ, ton péché, il y a les péchés qui sont encore cachés dans ta vie, qui sont encore tâches dans ta vie. Ton robe n'est pas encore propre. C'est maintenant le temps que tu vas commencer de recevoir le message de la vérité. Que la parole de Dieu, il est comme l'eau. Il va commencer à te nettoyer et laver. Tout le péché qui est caché dans ta vie que tu ne sais pas, tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voir que, donc si j'avais mouru comme ça, c'est à l'enfer direct. This is what people doesn't know. Okay, donc, may God help us in the name of Jesus Christ. In that John 3, he now break it from verse 1, he break it, he open it. Justification is how we all are justified. We are already heading to hell. We are already being condemned. We are already going to be destroyed before his mercy come upon us and he bought us by his blood. Then we are justified. He remove and wipe away our sin. And the journey has not ended there. Then after you have been justified like that, now you will take move. You begin to move into what is we call sanctification. That is what he said, if a man is not born by the Spirit, by spirit, you said he cannot enter to the kingdom of God. He said, born again. After born again, he said, you need to born by water. Mm-hmm. By water is sanctification. Water is the word of God. He come in Matthew, in John 17, he said, sanctify them by your word, for your word is truth. Hallelujah. In John 15, he said, you all have been made clean. You have been made clean by the word. The world is watching. In Ephesians chapter 5, he make it also there that you have been washed by the word. Hallelujah. Il a dit, dans le Jean 3, Jean 3 là, né de niveau, il a expliqué ça. Le deuxième, il dit, tu dois maintenant naître par l'eau. Naître par l'eau, là, les gens ils sont habitués de ça, qu'ils ont habitués de faire vite, c'est prendre quelqu'un, aller les mettre dans le... Il y a déjà le soleil. Les gens vont aller maintenant nager. Dit qu'ils sont en train de niveau. Marcel, mon frère, tu n'es pas encore né de niveau. Né de niveau, c'est l'eau que Jésus est en train de parler là-bas, c'est la sanctification par sa parole. Né de niveau par sa parole. Sa parole, maintenant, le temps que tu as confessé Jésus-Christ, il y a encore le péché dans ta vie. Il y a encore les choses que tu ne connais pas. Tu n'as pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu. Tu n'as pas encore reçu la révélation. Donc, c'est maintenant quand tu commences à avancer, maintenant, chercher le vrai église, le vrai prédicateur, le vrai pasteur qui va te dire la vérité sans regarder ton dîme et ton offrande. Alléluia. Le pasteur qui quand il prêche même, il ferme son yeux, il ne regarde pas qui est qui. Il dit ça fini, il prend son bagage, il quitte. Et si tu veux, tu les salues. Tu ne veux pas, tu peux pas les saluer. Si tu veux, tu viens, tu reviens encore dans cette église. Tu ne veux pas, ne reviens pas. Sa joie, c'est que Seigneur, j'ai déjà livré ta parole. Alléluia. That is the church you will now go. It's not the church of pastor that will be looking at you to preach. It's better you go to the church of pastor that who even close his eyes to preach. He will preach it. He will speak it. How harder he will preach it. He will, after he preaches, you will go. If you like it, you don't come back. If you like it, you come back.
If you like, you greet him. If you like, don't greet him. If you like, you pay your tithe again. If you don't like, don't pay your tithe. Take your tithe and the offering. Go and eat it. Anyone that eats God money, his stomach will swell up. You one day you will burst. Hallelujah. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Les gens vont dire, je ne vais pas. Quand je ne viens pas, je vais voir que les gens qui vont payer l'église. Je ne vais pas, c'est les gens qui vont payer l'église. Mon dit, mon frère, c'est ça qu'on utilise pour payer l'église. C'est moi qui supporte l'église. Quand je ne viens pas, je vais voir. Je vais te dire quelque chose. Partir avec l'argent de Dieu. Va aller manger ça bien. Tout ce qui mange l'argent de Dieu, l'élevant va gonfler. Quand il gonfle, un jour, tu vas attendre. Pow! Tu ne manges pas l'argent de Dieu et tu échappes sa colère. Impossible. Alléluia. Parce qu'on te dit la vérité, tu te fâches. Tu te fâches. Fâche bien. Va lire bien l'homme riche avec toute sa richesse. Sa richesse ne peut pas les sauver cet jour. Alléluia. C'est ça que les gens ont habitué de faire. Si tu cherches l'église, là qu'on va te carasser. On va te carasser. Tu portes ton mami water. Tu viens, ton pasteur va te voir et dire, oh, tu es très ceci. Oh, quelle belle fille des enfants de Dieu. Vous êtes très belle. Tu as aussi, tu commences de tourner la tête. La tête là, c'est à l'enfer. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. This is all they want to. They want the church. You will see them. Oh, may God deliver us. I thank God for delivering us from all this deadly church. When you will see all the women dressed in mommy water dressing, and you will see the pastor there, when he will come, he will be saying, oh, what a beautiful daughters of Zion. It's not your, yes, there is two Zion. Satan also have Zion. That's what they don't even know. On va commander de leur dire quelle belle fille de Sion. Hey, je vais te faire comprendre. Satan aussi là son Sion aussi. Satan est là son Sion aussi. Rappelle que tout ça que Dieu il fait, Satan aussi il fait la falsification. Il fait aussi le copie. Donc ton pasteur il a dit d'appeler les filles de Sion. Il faut lui demander quelle Sion. C'est Sion de Dieu ou Sion de Satan. Alléluia. Your pastor is busy calling you the daughters of Zion. After your mommy water dressing, he look at you, he said, oh, so beautiful, daughters of Zion. There is different Zion. There is Zion of God. There is Zion of Satan. Remember that whatever God will do, Satan also go and do his own fake. He fake his own. So that your pastor that is glorifying you in your nonsense dressing. Go and find out if you are not, that Zion is calling you. It's not a hell. It's not for hellfire. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Jesus Christ is saying, he speaks to us, sanctification, justification, sanctification. La sanctification, Jesus Christ a expliqué dans Jean 3, c'est pour, il dit, si tu vas maintenant aller laver, tu vas venir le baptême par l'eau. Baptême par l'eau, c'est le baptême par la parole de Dieu. Que lui-même, il a expliqué Jean 17 et Jean aussi 15. Il a dit, vous avez déjà lavé par ma parole. Vous êtes déjà pur par ma parole. Dans Éphésiens 5 aussi, il a dit aussi, vous avez déjà lavé par l'eau qui est son parole. Qui est la parole de Dieu. C'est pas pour aller neiger, non. Neiger, non. Tu viens de commencer. Tu n'as pas quand même commencé. Après, le troisième point, les choses lues dans la Bible, le plus lu dans la Bible. We are talking about the weightier matter that the church have left today. The church have left. The ministers have left. People have left. Nobody is talking about the weightier matter. They go to church for ceremony. They go to church for prophecy. They go to church for miracle signs and wonder. They go to church. Oh my God! May God deliver us in the name of Jesus Christ. They go to church for prosperity, riches, wealth. On a l'église aujourd'hui abandonné. Ce qui est plus lu. Les gens vont dans l'église aujourd'hui pour la bénédiction, pour le miracle, pour le mari, pour les femmes, pour la richesse, pour la prospérité. C'est tout que les gens vont dans l'église pour aller chercher. Pour la prophétie. Vous avez abandonné ce qui est très lu. Ce qui est lu que Jésus-Christ l'a dit. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il a dit, le troisième, Jésus-Christ a dit, dans cette jeune aussi, il dit,
Tu dois naître par l'Esprit. L'Esprit, c'est ça qu'elle a dit là-bas, c'est le baptême de Saint-Esprit. Que tu ne peux pas voir. Ça qu'ils sont en train de voir aujourd'hui dans l'église, c'est le tromperie de toutes ces choses. Il dit que c'est le baptême de Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le baptême de Saint-Esprit. C'est notre esprit. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. That's what you see today. They are demonstrating. They said they are speaking in tongues. I do this one. It's the baptism of the Holy Ghost. It's not the Holy Ghost. There is another spirit. It's not the baptism of the Holy Ghost. If you are baptized with the Holy Ghost, your life, your style, everything will change. Yes. Hallelujah. Yes. Ça que tu as démontré aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans l'église. C'est pas le Saint-Esprit. La Bible aussi nous a fait clairement que il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit. Oh, c'est pas le Saint-Esprit. Tu es en train de manifester le Saint-Esprit et regarde comment tu es habillé. Regarde tout le maquillage dans ta bouche. Regarde où je lève. Regarde ton sein dehors. Regarde ta face dehors. Regarde ton sexe organe dehors. Regarde le mami water dans ton chevet. Tu dis le Saint-Esprit qui t'est possédé. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est notre esprit qui te possède. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. You are manifesting all these things. Look at you. Look at your breast outside. Look at your panty is even outside. Look at you. Look at your sex organ, woman. Your sex organ, they are seeing it is outside. You draw everything to seduce men, seduce people in the church, and your pastor is seeing it, and you are saying you are manifesting Holy Ghost. It is not Holy Ghost. The Bible says it's another spirit. Look at your mouth. All the red objects you put in your mouth, the blood of serpent seed in your mouth. Look at what you put on your hair, mommy water ear. Is it your ear? And you are saying you are manifesting Holy Ghost. Which Holy Ghost? Another spirit. The weightier matter, you have withdrawn it from your church. You man of God, go back to the weightier matter. You ministers, go back to the weightier matter. God is using coronavirus to warn us. Do you understand? They used to say coronavirus pour nous avertir. Toi, homme de Dieu, retournez dans la matière plus lue. Retournez dans la matière plus lue. C'est pas ça que tu as dit de prêcher là. C'est pour cela qu'il a envoyé coronavirus. Il a laissé coronavirus pour nous avertir. Il y a l'année de grâce. Cette année est en train de passer. Comment est-ce que tu as parlé là? C'est mon oncle qui vient de mourir, non? Son année de grâce est clôture. C'est déjà clôture. Avant qu'il a mouru même, c'est déjà clôture. Avant que tu meurs, c'est clôture. C'est déjà clôture. Is it not my uncle that died? His days of grace, his days of mercy has been closed even before his death. It has been closed. If you refuse the truth, you will squander your days of grace and it will be closed. And you will go and face it as the rich man faced it on that day. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous délivre. Jesus Christ explained it to this pastor there in that John 3. A whole man of God, a whole pastor, you don't know, Jesus Christ asked him. So you don't know all those things, then why did you gather the people for gathering? You gather them for what? For tithe and offering. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Saint Jesus, quand il a fini avec le monsieur là dans Jean 3, il a fini, qu'est-ce que le monsieur là a dit? Et quand il a répondu, Jesus Christ a dit quoi? Jesus Christ a dit, mais pourquoi tu as rassemblé les enfants de Dieu en train de faire quoi? En train de prendre les dîmes offrandes. Dîmes offrandes, tu vas aller à l'enfer, aller payer ça. Comme l'homme riche, il a payé ça. Écoutez-moi, repente. Repente maintenant. Toi aussi, tu as été sous cet nom de Dieu. Tu as été de payer ton dîme, non? Papa, maman. Tu as été de payer ton dîme. Tu penses que c'est ça? Et amène ton dîme, on va prier pour toi. On prie pour toi, tu reçois le miracle. Miracle, ce n'est pas le garantie pour entrer dans le royaume de Dieu. Auction, ce n'est pas le garantie pour entrer dans le royaume de Dieu. Prophétie, ce n'est pas le garantie pour entrer dans le royaume de Dieu. La Bible même dit, le temps, après la grâce, là, toutes ces choses-là vont t'amener. Ce qui va rester maintenant, c'est la matière plus lue que tu as appris dans ta vie. C'est ça qui va rester dans ta vie. They are busy pursuing prophecy, pursuing miracle, signs and wonder. The Bible says, the time will come when miracle, signs and wonder and prophecy will cease. That is the time the grace expire, the mercy age finish. Now it will remain you and the weightier matter you receive from the Lord Jesus Christ. That's only what we promote you. That's only what will cross you into his kingdom. The weightier matter. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Après la baptême, the baptême, maintenant, on descend encore. On va voir un autre point. La restitution.
After the baptism of the Holy Ghost, we enter into another point, the weightier matter, restitution. Mm-hmm. La plupart de l'église aujourd'hui ne parle pas de restitution. Les gens pensent que tu peux faire les choses, tu fais comme ça, tu vas. Many churches today doesn't talk about restitution. Somebody who have not talked about holiness. Somebody who have not talked about sanctification. Somebody who have not talked about baptism. Somebody who have not talked about a judgment day of God, the Lord, mercy of the Lord and faith. How can he know about restitution? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé de la justice de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas parlé de la jugement de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas parlé de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas la révélation de Dieu, la foi et la révélation de Dieu. Comment il va connaître ça qu'on appelle la restitution? La restitution, c'est pour après, quand tu as repenti, tu dois restituer toutes les mauvaises choses que tu fais. Même le temps que tu as repenti. C'est pour ça que des fois, quand tu fais mal à quelqu'un, va immédiatement, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, immédiatement, quand tu fais cette mal, rappelle la personne, appelle la personne, dis-lui des pardons. C'est ça qu'on appelle la restitution. Ou tu as menti. Tu as menti sur ça que, j'ai menti pour la personne, c'est pas comme ça les gens sont. Appelle la personne, dis la personne que c'est faux. C'est ça que je te dis là, c'est pas correct, voilà la vérité. Ça c'est restitution. Alléluia. This is our restitution. Restitution, when you become born again, you must prepare yourself to restore everything you have taken from somebody. That's why he made it clear in Leviticus chapter 6. You read it from verse 1 there to maybe 7. It's written there. C'est écrit dans le livre de Lévitique 6, à partir de verset 1, peut-être jusqu'à 7, tu vas trouver ça là-bas. Restituer tout ça que tu as fait contre quelqu'un. Restituer toutes les choses que tu as pris par la force, par le truc, par tricher et partout. Restituer ça. Tout ça là, c'est disparu dans l'église. Ils sont les doctrines de Jésus-Christ. Ils sont les doctrines de Jésus-Christ. Ils sont les choses lues que tu ne vois pas aussi dans l'église. Mais votre église a laissé ça, ça t'attend. Ça t'attend le jour-là, ça va t'attendre. Alléluia. You see them, those things are disparate. They are no more in the church. They are no more in the church. Your church have leave it, they don't preach it, your pastor don't preach it. Pastor, you don't preach it. It's waiting for you and your member on that day. It's waiting for you and them. The weightier matter. The weightier matters. It's waiting for you. Is it Jesus Christ? Is it not Jesus Christ that write it? Is it not Jesus Christ that say it? Is it not his word? It's waiting for you. You can never escape any of his word. We can't escape it. Ton pasteur t'a dit que c'est bien, non? Tout ce qui a confessé de ce que c'est déjà sauvé et tout ça. Continue. Sans restitution. Sans restituer. Ton caractère ne change pas. Ton habillement ne change pas. Ton attitude ne change pas. Tout depuis que, avant que tu en aies de niveau, comme tu es, c'est la même chose. Ce qui a seulement changé dans ta bouche, des fois, on t'attend, tu dis Jésus-Christ. Que donne aide au nom de Jésus-Christ. Que donne délivre au nom de Jésus-Christ. C'est là que tu dois répéter complètement. Et changer. Et faire ce qui est correct par le Seigneur. La restitution, très importante. Tu ne peux pas échapper à ça. Et maintenant, le deuxième, le sixième. Le sixième par la grâce de Dieu. Et c'est. On va regarder maintenant. Il a dit. Thank you, Jesus. The acceptable year of the Lord. We have already talked it there. Le matière très, 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 très lourd. Le jour de l'acceptance de Dieu. On a déjà parlé ça dans le Isaïe 61. Maintenant, on va voir quelque chose encore que le Seigneur lui-même, il a fait. We are going to see something that Jesus Christ did. Jesus Christ did something again in this matter, in this issue. In Luke chapter, where we read. Luke chapter 4, let us read Luke chapter 4, dans le Luke chapter 4, on va lire le verse 18 et 19. Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce et de soutien. Alléluia.
Alléluia. Regarde ce que Jésus-Christ a fait là-bas. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. Look at what Jesus Christ said. Regarde cette. Jésus-Christ, il a répété ce qui est écrit dans le Isaïe 61. Mais quand il a lu ça, arrivé pour proclamer l'année de acceptance. Il n'est pas continué, il n'est pas dit et les vengeances de Dieu. Est-ce qu'il a dit ça là-bas, dans votre Bible? Non. Hein? Non. Parce que, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde de Dieu. Donc, toute la proclamation qu'on a été faite maintenant, toi qui vives maintenant, qui as été écouté cet message, tu es encore dans l'année de acceptance de Dieu. Alléluia. If you see what Jesus Christ did there, when he read what was reading in that Luke from 18 and 19, from even from 16, but we take that 18 and 19. What did Jesus Christ read there? He read that Isaiah 61 from verse 1, 2, and 3. That's what he read. But to see what he did, he only read the acceptable year of the Lord. He did not read the vengeance of the Lord. And the Bible said he closed the book and he sit. And he was watching and began to explain. La Bible dit, quand il a fini cette. Quand il a fini, il a fermé. Il n'est pas continu. Il n'est pas lu l'année de vengeance. Parce que ça, c'est l'année de jugement de Dieu. Donc, tu es encore là, tu vives maintenant. Tu es encore dans l'année de acceptance. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il a lu là-bas, il a stoppé là-bas. Il a fermé la Bible. Il est assis. Il a commencé de l'expliquer. Parce que toi qui vas dans cette église qui ne connaît rien, et la vie que tu as été utilisée n'importe comment, c'est parce que c'est encore acceptable pour toi pour répandre maintenant, pour échapper, pour courir, pour sortir. Donc, sinon, tu vas t'amener à l'enfer. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a la nid d'acceptance de Dieu. Il y a la nid de la colère de Dieu aussi. Et tu ne dois pas attendre que la nid d'acceptance de Dieu, ça dépasse dans ta vie. Tu ne dois pas rester que cette année de repentance, la nid de miséricorde de Dieu, que ça, tu utilises ça n'importe comment. La personne va regretter. Tu vas regretter. Alléluia. Jésus-Christ, il a lu ça. Quand il est arrivé là-bas, il n'est pas continu. Il me dit, quand il a lu la nid d'acceptance, c'est ça, la matière plus lude. C'est pour dire les gens, la nid d'acceptance. La nuit de repentance, la nuit de changement, la nuit de que tu dois sortir dans toute cette bêtise que tu as été de faire, que tu dis que tu saves Dieu. Alléluia. Tu fais cette bêtise en train de prospérer. Ça n'est pas dit que Dieu, ça n'est pas dit que Dieu est content avec toi. It is Jesus Christ. That is the year of acceptance. The year of acceptance, it is what you are still on now. That's why you are still doing all that rubbish and it's working for you. And you think that God is happy with you. You are doing all those evil, and you are still a pastor, and you are still a preacher, a minister. You call yourself a child of God. You are still living in all those rubbish life, fornication, immorality, wickedness, and everything. You are still living on it, and it's still working out for you, and you are still receiving miracle on it, and you think that God is pleased with you. It's because you are still on the acceptable year of the Lord. Immediately the acceptable year of the Lord will be cut off from your life. It is finished. No amount of tears and cry that can bring it back. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. What is the weightiest matter? Weightiest matter is holiness. Hallelujah. Amen. Un autre point. Another point. Qu'est-ce qui est la matière plus lourde? La sainteté. Tu vas dans l'église. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu ne vis pas et marches dans la sainteté. Et tu dis que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Lis. Let us read. Leviticus 21. Let's read the second to the last verse there. On va lire Leviticus 21, on va prendre le deuxième verse avant le dernier verse.
Amen. Le deuxième verset, avant le dernier. Dernier verset. Yeah. I read Leviticus 21, verse 23. Okay. Only he shall not go in unto the veil, not come near unto the altar, because no. he hath a blemish. No, it's not that. It's not that. Leviticus 21. 21. The last one is verse 24. No, let me, I'm coming. Leviticus 21. Oui. À partir de, je pense, il n'est pas dit. Et de vous doit être saint parce que je suis saint. Leviticus 20. Is 20. Verse 20. Ok, 20. Leviticus 20. Leviticus 20. Leviticus 20. Yeah. 26. And ye shall be holy unto me. Mm-hmm. For I, the Lord, I am holy. Mm-hmm. And I have served you from other people, that ye should be mine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a lié en français. Leviticus chapitre 20, verset 26. Oui. Vous serez saints pour moi, oui. car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé les autres peuples afin que vous m'apparteniez. Que Dieu nous aide en Jésus-Christ. You see the word of God. You have to be holy, for I am holy. I have separated you from other people. I have separated you. Why don't you want to separate yourself? The Creator and the Heaven and King of Kings, the Lord of Hosts, said, I have separated you. Come out from them. That's why I keep on telling us, right from Genesis to Revelation, I did not see where the Lord said, mix up with them. I did not see it. What I always see in my own Bible is, come out from them. I have separated you. Hallelujah. Amen. That my Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai rien vu quelque part qu'il a dit. Il a dit, ménage avec eux. Ça que je vois ma Bible, pour moi, au moins, je ne sais pas pour les autres. Pour moi, il dit, sors au milieu de eux. Dieu te déjà mis à part. Dieu te séparé pour être saint pour moi. Pour être saint pour moi. Pourquoi toi, pasteur, pourquoi toi, ministère, ne peux pas renseigner la vérité? Tu as été mélanger et marcher avec tous les morts, mélanger tous les morts, prêcher n'importe quoi, message. Dis que vous êtes dans la sainteté, alors que vous ne pas dans la sainteté. Tout ce qui est dans la sainteté, ils sont séparés par Dieu lui-même. Et vous devez écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de n'importe qui. Ce n'est pas la voix de votre pasteur. Ce n'est pas la voix de votre église. Ce n'est pas la voix de ton maman et ton papa. Dieu, il dépasse tous les morts. Il te dit, sois séparé. Moi-même, je te dis déjà séparé pour être saint pour moi, pour marcher pour moi. Ça, c'est la matière qui est plus lue dans la Bible. These are the weightiest matter in the Bible. Separation. Holiness separates us. Holiness separates the Church of Christ. La sainteté, il nous sépare. La sainteté, il sépare l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ ne doit pas mélanger avec le monde, avec l'église du monde. Ils sont la matière plus lourde. Tu ne peux pas mélanger toi-même avec Satan et dire que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Apporte, bon, dans des Corinthiens, chapitre 6, il a dit quoi? Il a dit, Qu'est-ce que l'autel satanique qui cherche avec l'autel de Dieu? Pourquoi vous êtes mélangé? Vous avez mélangé pour moi. Dieu, il a dit, mes enfants, vous doivent séparer. Je vous dis jamais à part. Apostle Paul, second Corinthians chapter 6, he said, what is the bar? What is the satanic altar? He's looking for what is why? What are you doing? Altar of God and altar of Satan doing together? I have separated you to be holy for me. I have put you aside. Why are you mixing up? Hallelujah. On vient encore. If you go again in Hebrew chapter 2, verse 14, on va voir encore Hebrew
2:14, je pense. Dans le Hébreu, il a dit aussi, vous devez, in the Hebrew, he said, you shall be holy, for I am holy. Help me read that. Not that Hebrews is Hebrew 12. Yes, Hebrews 12:14. Hebrew 12:14. Aide-moi. You say, follow peace with all men. And holiness, without which no man can see the Lord. Those things you don't see it in the church, you don't appreciate. Jesus Christ called it the weightier matters. Hebrews 12:14. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a parlé la même chose. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Tout le temps, tu es dans la colère. Tout le temps, tu es dans la colère. Comment tu vas voir Dieu? Les petites choses, tu es dans la colère. Every time you are in anger. Everybody, you are in anger with you. And you say you are going to see the Lord. You see it there. Go and make peace. Your anger will throw you to hell. Va faire la paix avec les gens. C'est pas que il n'est pas dit va faire la paix avec satanique. C'est pas que tu as vu que la personne ne croit pas Dieu, il ne veut pas Dieu, il ne veut pas rien avec Dieu, il n'est même pas ton Dieu. Tu commences à aller chercher la paix avec lui. Si tu lis sali, il ne sait pas sali, laisse-le tranquille. Ça que tu le depth que tu as avec la personne, c'est dis-lui la parole de Dieu. Dis-lui que il doit repentir, parce que s'il repente, lui aussi, il va comprendre ce que tu dis. Il va comprendre que c'est très important pour être sauvé. Amen. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu commences à aller faire l'ami avec quelqu'un qui ne croit pas de Jésus-Christ, qui ne croit pas ton Dieu, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas ça. Demain, il va te tirer dans le péché. Maintenant, tu vas dire, comment j'ai fait hier. C'est toi qui as cherché le problème. Alléluia. Fais la paix avec les gens qui sont raisonnables, qui connaissent, spécialement les enfants de Dieu, qui connaissent la vérité, qui connaissent qu'on doit vivre dans la paix. On doit vivre dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour du monde. L'amour du monde, c'est à l'enfer. L'amour de Dieu, il nous donne la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. That is it. It's not go and make peace with people because people that worldly people that will now through that peace draw you into iniquity. Make peace with the children of God who knows the importance of that peace you are making. Someone who does not know God, what you need to tell him is to preach the acceptable day of the Lord to him. Preach the gospel truth to him so that he will repent and turn away from his iniquity. Then he cannot understand what is called peace. May God help us in the name of Jesus Christ. Amen. Et le dernier point qu'on va regarder, c'est les choses lues dans la Bible. Le renseignement d'enlèvement. Alléluia. The last thing we are going to look at is the weightier matter is the rapture. Teach them about the rapture. Show them that without holiness, you cannot be raptured. You cannot be raptured. Renseignez-les, faites-les comprendre que sans la sainteté, tu ne peux pas jamais aller dans l'enlèvement. Impossible. Impossible. Ça, qu'ils sont en train de les renseigner, là, en train de les tromper. Tout le monde en train de préparer, il va aller dans le. Les autres disent, avec le pantalon, ça ne fait rien. Quand l'enlèvement va venir, Dieu il va lever le pantalon. Hein? Dieu il va venir te lever le pantalon. Le pantalon que tu as attends maintenant que femme ne doit pas porter le pantalon. Le pantalon, ça appartient des hommes. Et tu as été de porter ça. Ton pasteur te dit de porter ça. Tu portes ça. Le jour-là, c'est ton pasteur qui va venir enlever le pantalon. Là, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. You are hearing the word of God now instead of it to change. Your pastor said that it doesn't mean anything. It doesn't matter. You are wearing the trouser. You are in this. That day, when rapture will take place, your pastor said, yeah, when you will be raptured, that everybody will be transformed, will be changed. Then a robe will be given them. I will see
how God will come and remove that your trouser that you refuse now with your stubbornness. You refuse to remove that trouser. Your pastor will come that day and remove that trouser from you. Your pastor will come. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. The weightiest matter. You don't play with the weightiest matter in the Bible. Don't joke with it. They are what give us life and life and eternal. Les choses lues dans la Bible, la matière lue dans la Bible, ils sont les choses qui nous donnent la vie et la vie éternelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Que nous tous, on a abandonné. On a été de vivre n'importe comment. On a été de savoir Dieu qui ne sont pas Dieu. On a été de savoir Dieu qui ne sont pas Dieu. Et penser qu'on a été de savoir Dieu. Quel Dieu que nous avons été de savoir? Tout le monde a été de crier, Dieu, Dieu, Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu que vous avez été de savoir? Dieu, il a sa doctrine. Autre chose, un autre point, c'est matière, another point, the weightier matters are the God, the doctrine of the Lord. God has his doctrine, the biblical doctrine. Un autre point, c'est la doctrine de Dieu. Dieu, il a sa doctrine. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a dit, si tu m'aimes, garde ma commandement. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes, garde ma commandement. That's it. The weightier matters are God's commandment. Say, if you love me, keep my commandment. Et le commandement de Dieu, c'est pas seulement le 10 commandement. Et ne vole pas, et ne fais pas ça, ne fornique. Et la fornication adultère. Ah, est-ce que sont habillés de renseignement? Même le 10 commandement, il ne renseigne même pas ça dans l'église. Parce que la fornication et l'adultère, c'est dans l'église. Divorce et remarié. Divorce et remarié. Divorce et remarié. C'est dans la fornication et l'adultère. Donc, qu'est-ce que vous renseignez maintenant dans l'église? Vous avez tous laissé la matière très lue dans la Bible. Et vous dites que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. May God deliver us in the name of Jesus Christ. On va prier. On va prier. Seigneur, aie pitié. Il y a la matière très lourde dans la Bible que tu ne dois pas jouer. C'est pas ton dîme. C'est pas ton dîme. Dîme, c'est le commandement de Dieu. Si tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, tu ne payes pas. Dieu t'attend. Personne ne mange pas sans qu'il parvienne de Dieu, que son ventre ne va pas gonfler. Il va gonfler. Le maladie va localiser la personne. Le problème va venir. Toutes les choses. Le voleur, il va venir. Il dit, il va envoyer le ventre. Le ventre va venir. Le ventre, là, signifie n'importe quoi. Alléluia. Donc, que personne ne doit pas te tromper avec ça. Ce qui est important, tu dois recevoir ce qui est important. Si tu reçois ça maintenant, tout ça que tu fais dans la maison de Dieu sera acceptable pour le Seigneur. Alléluia. That is it. Don't let anybody deceive you by tithe and offering. You are paying tithe and offering. You are doing this way. You will see some people. You will see that the one that even make me that sound so funny. You will see some people. They will bring tithe and offering. They will be telling pastor, tell somebody, I want to go and pay my tithe and offering. I want to go and pay my tithe. I have not paid it since 1 month now. I have to do this one. This one. What are you paying? Are you paying it to me? Look at you. You are announcing yourself. You are not. That one is not of God. Why don't you tell me that? Tell me all the evil things that you are doing secretly. Why don't you tell me those ones? Et God deliver us in the name of Jesus Christ. Tu vas voir les gens, c'est ça que tu vas voir les gens. Maintenant, quand il a l'argent, il a un enveloppe. Il y a les autres. Il va danser. Quand il est arrivé, là qu'on donne l'offrance, le temps qu'il va sortir son porte-monnaie. Il va sortir son porte-monnaie, il va mettre la main dedans. Il va sortir l'argent pour montrer tout l'église. Et le pasteur que voilà combien que j'ai payé. Il va maintenant mettre ça là-bas. Que comme ça on va aller acclamer que il a payé beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu es en train de tromper toi-même. That's why you will see some of them. They will come to church. You will see them when it's time for tithe and offering. They will dance. It is when they get to the offering box, they will now bring their purse out inside in the presence of everybody at the church there. They will now put out in their purse, bring out money. Then now putting it in the offering box so that the whole world will be seeing them clapping for them that their pastor will now be happy that he paid a very big money today. You are deceiving yourself. You are deceiving yourself. You are not even born again. You are just, Satan have deceived you.
la personne, il est dans le tromperie. Tu voulais payer le dîme. Les autres, ils vont commencer à annoncer. Je vais payer le dîme de 7 mois. Je n'ai pas encore payé le dîme depuis 2 mois maintenant. Je n'ai pas encore payé le dîme. Je vais aller payer le dîme. Et disent, tu n'es pas encore né de niveau. Tu payes le dîme pour qui? Tu annonces ça pour qui? C'est ton secret avec Dieu. C'est le commandement. Tu, quand tu as annoncé ça, pourquoi tu n'es pas dit, tu n'es pas venu dire à la personne que hier j'étais menti, hein? Hier j'étais menti. Je vais aller dire au Seigneur que le Seigneur me pardonne. Avant hier, j'avais forniqué. L'autre jour, j'avais fait l'adultère. L'autre jour, j'avais. Pourquoi tu n'es pas venu annoncer ça? C'est le dîme que tu voulais aller donner Dieu. Que Dieu lui-même il a demandé pour supporter son œuvre. Que tu as dit d'annoncer que je vais aller payer le dîme. Je vais aller payer l'offrande. Je vais aller payer le sacrifice. Tu n'es pas encore né de niveau. Tu as laissé la matière très. Le jour que tu as accepté cette matière, cet évangile de la vérité, le jour que tu as accepté ça, toutes ces choses-là, tu vas voir que vraiment, tu vas même regretter que je ne sais pas que Jésus encore, je n'ai pas encore né de niveau. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Priez-nous, on va prier, demandez le Seigneur, parle au Seigneur. Cette message, c'est pour nous tous. Tout, mets le pasteur, mets le bishop, tout le monde. Envoyez-les cette message. Écoutez le message, change, répandez. Coronavirus, il te cherche. Tu ne l'as pas répandu. Il y a le jour acceptable du Seigneur. Il y a le jour du Seigneur. Tu es encore dans la grâce et le miséricorde du Seigneur maintenant. Il y a la nuit de miséricorde du Seigneur. C'est pour cela que tu as dit d'écouter cette message maintenant. Tu n'es pas encore mort pour écouter cette message. Tu joues avec cette jour et cette année. Si ça passe, si ça finit, c'est fini pour la personne. C'est fini pour la personne. That's why this message is coming unto you now. We speak to the Lord and call upon God to have mercy and forgive me. Rearrange me. Let me take the weightier matters. The weightier matters in the Bible is very serious. Let me take it very serious. It's not that your tithe and offering. You will be paying tithe and offering, and before you know it, the day, the years of acceptable and the mercy of God will pass. Immediately it passes in your life, it is finished. That's why this message is coming to you. You are you pastor, you prophet, you bishop, whatever you call yourself, you pope. It is time. Listen to this message and repent and turn away. Begin to speak. Message, the weightier matter, Jesus Christ called it weightier matter. That means it's very, very important for the Lord Jesus Christ. And that's what he wants us to speak. Preach it to them. Preach it to them. Whoever wants to give you money, who don't want, don't give you. Who don't want to support the church with the money, who don't want, don't eat the money. If you like, eat God money. Anyone that eats God money, his stomach will burst off. He will burst out. And God will deal with that person that day. He will deal with that person. Pray and ask God. Priez, demandez le Seigneur. Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi. Repent dans tout ton péché. Repent. Prends les choses très lues, les choses matières qui sont très lues de notre salut. Prends ça très important dans ta vie. Prends ça très important. Tout le dîme, l'offrande, ils sont le commandement de Dieu. Ici, tu me m'aimes. Si tu me m'aimes, garde mon commandement. Garde mon commandement. Ils sont tous le commandement de Dieu. C'est pas quelque chose qu'une église va prendre. Il va prendre seulement dîme. C'est ça qu'ils sont intéressés seulement pour prendre votre argent. C'est ça qu'ils vous prêchent. Ils vous parlent. Il n'y a pas le temps pour vous expliquer la Bible. Il n'y a pas le temps pour nous enseigner la Bible. Ça qu'ils sont en train de faire seulement, c'est pour récupérer, c'est pour prendre notre argent. Et tu dis que tu saves Dieu. Quel Dieu que tu saves? This is all they teach us. They teach us nonsense in the church. Teach us nonsense. All they are interested. What the pastor is interested is to collect offering and tithe. Is to collect offering and tithe. No one is warning the people. They are not warning you for the destruction that ahead. He's not warning you that the acceptable year of the Lord is in your life. If you miss it, you are going to hell. If you miss it, it is finished for you. And everybody's living in his life anyhow. They said that they are serving God. Which God are you serving? Speak to the Lord right now. Speak to the Lord. Rearrange yourself. Rearrange your life. Rearrange your mindset. Rearrange yourself. Come back to the Bible. Come back to the weightier matter. Jesus Christ call it weightier matter because it's very, very important. Without it, you can't see the Lord. Come back to holiness. Come back to righteousness. Come back to justification, sanctification, baptism of Holy Ghost. Come back to them. Come back to study the Bible and know the truth. Retournez dans la Bible. Retournez dans la Bible. Retournez dans la vérité. Retournez dans la sainteté. Retournez dans la sanctification. Retournez dans la justice de Dieu. Retournez dans la justification de Dieu. Retournez, bien-aimé, retournez. Retournez. Retournez dans la restitution. Retournez dans la restitution. Retournez dans la vérité. Retournez. Change ta vie. Prends l'affaire de Dieu, la matière, les choses qui vont te donner ton âme, le repos. Prends ça très, très important. Tout le reste, ce sont les commandements de Dieu. On doit obéir tout. On doit obéir tout. All the commandments of God, you must carry them. They are weightier matter.
Your money cannot buy God. Your riches cannot buy God. Everything you cannot buy God. It's because we are not born again. That's why we are using money. We think that we can use money to buy God. God will require your holiness. Without it, you can't see God. They are the weightiest matter in the Bible. Do it demand la sanctité. C'est la sanctité qui peut faire les rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas ton argent. L'argent et tout, ils sont la deuxième chose. C'est pour supporter son œuvre. C'est pour supporter son travail. Mais tu dois être saint. Il dit tu dois être saint parce que Dieu est saint. Il dit de te séparer, de te mettre à part, de te séparer pour être saint. He said, I have chosen you. You must be holy for me because I have chosen you to be holy. I have separated you to be holy. Don't be like them. Don't be like your pastor. Don't be like your church. Don't be like anybody. The only person you have to be like him is Jesus Christ of Nazareth. That's all. Pourquoi est-ce que tu comme ton pasteur? Pourquoi est-ce que tu comme ton église? Pourquoi est-ce que tu comme n'importe qui? Tu dois seulement imiter et suivre Jésus Christ. Il dit, je te sépare, je te mets à part pour être comme moi, Parce que notre Dieu, il est saint, Thank you, Jesus Christ. Father, have mercy upon us. Accept us, Lord Jehovah. Accept our crying. Wipe away all our tears. Glorify your name in our life. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost. Let your word purify us as we continue to live a holy and a righteous life. And take the weightier matter very, very serious and very, very important in our life. Aide nous, Seigneur Jesus Christ. Go vive et marche dans le Seigneur. Et continue to vivre et mettre en pratique. Tout ça que Dieu nous a déclaré à partir de maintenant. Oh Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ dans vos prières. Au nom puissant de Jésus Christ dans vos prières. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui ne veut pas que Dieu mette la matière plus lue dans la Bible. En pratique. En pratique. Que ce pouvoir soit arrêté et détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Let that power that don't want me to take the weightier matters in the Bible very serious. Let that power. Let it be arrested and destroyed. Soit arrêté et détruit. Ô Dieu mon Père. Toutes choses qui marquent dans ma vie spirituelle. Restore moi, rends moi tout ce, donne moi. Priez. Anything that is still lacking in my spiritual life to be able to meet your demand. Lord, give me those things. Give it to me. Seigneur Jésus Christ, donne-moi toutes choses qui manquent dans ma vie spirituelle, qui manquent dans ma vie, dans ce voyage. Toutes choses qui manquent dans ce voyage, que je rentre dans ton royaume et que je rentre dans ton royaume. Toutes choses qui manquent, Seigneur Jésus Christ, donne-moi ça. Localise-moi avec toutes ces choses. Lord Jesus, locate me with those things. Anything that I'm lacking in this journey to enter your kingdom, in this journey, Lord, just anything that's lacking. Lord Jehovah El Shaddai, Papa, give it unto me. Say, don't want to say shows give monkey, two sessions give monkey, that my vie spirituelle, Seigneur Jesus Christ, say, don't want, visit moi, à partir de maintenant, merci Dieu, merci Seigneur Jesus Christ, merci notre Père, au nom puissant de Jésus, dans vos prières. Ô Dieu mon Père, s'il y a l'endroit dans ma vie qui n'est pas encore sanctifié par ta parole, localise cet endroit maintenant.
Sanctifiez-moi. Oh Lord God, my Father, is there any area in my life that has not been sanctified by your word? Papa Lord Jehovah, let that area be located by your word now. Sanctify me. Purge me, cleanse me, wash me, purify me. Lave-moi, purifiez-moi, sanctifiez-moi par ta parole. Sanctifiez cet endroit dans ma vie. Par ta parole, Seigneur Jésus Christ. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Au nom puissant de Jésus, en vos prières. Amen. Seigneur Jésus Christ, j'ai plongé notre vie dans le sang de Jésus Christ. J'ai plongé cette parole dans le sang de Jésus Christ. J'ai plongé cette message dans le sang de Jésus Christ. À partir de ce jour, j'ai prié, Seigneur Jésus Christ, que nous tous, même le temps qu'on va rencontrer les gens, on a envie de prêcher la parole de Dieu, Seigneur, aide-nous pour leur dire la vérité, pour leur dire ce qui est important dans la salut, pour leur dire la matière plus lue dans la salut, Seigneur Jésus-Christ, pour leur parler ce qui est très important dans la Bible. Lord, help us anytime, even though in our own life, and when we meet people, we begin to speak to them the weightier matter in this journey, in the name of Jesus Christ. Amen. Que tout pouvoir qui va essayer de lever pour combattre contre nous parce qu'on dit la vérité, que tout ce pouvoir soit avalé par le feu de Dieu dans Jésus Christ. Et Dieu nous protège et nous couvre par ton sang. Merci Dieu, merci. Amen. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ localise aussi tous qui sont en train de tromper lui-même parce qu'ils sont, ils connaissent Jésus Christ alors qu'ils sont abandonnés la matière plus lue. Seigneur Jésus Christ, dans ce voyage, Seigneur, va les localiser. Expose, fais-les comprendre qu'ils sont dans le tromperie et aide-les pour les repentir. Au nom puissant de Jésus, en vos prières. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus Christ. Merci notre Père. J'ai plongé notre vie cette semaine dans le sang de Jésus Christ. Et j'ai prié aussi par la puissance de Jésus Christ. Comment on va rentrer dans le nouveau moi? Le nouveau moi va commencer à partir de cette minute. Je déclare et je prie. C'est le mois de numéro 6. Je déclare. La Bible dit, quand Dieu il a créé toutes choses, il a créé l'homme le sixième jour. Ça veut dire que Dieu il a fini la création de toutes choses pour le cinq jours. Il a juste le cinq jours. Et maintenant, il a mis l'homme le sixième jour. C'est pour ça qu'il a dit, l'homme il doit dominer toutes ces choses. Je déclare. Comment on va rentrer le mois de numéro 6? Tout pouvoir qui nous a été menacé depuis longtemps, qui a été dominé notre vie à partir de maintenant, toi-même commence de les dominer dans le Jésus-Christ. Commence de les dominer. Autorité pour dominer. Reçois cette autorité. Receive that power to dominate them. Receive that power. God created man in the sixth day. After the creation of everything, he created everything. Then in the sixth day, he placed man to dominate, to take care, to rule from today. As we'll be entering the new month, the month of number 6, I decree and I declare, anything that have been oppressing you, that have been dominating you, that have been working against you, from today you receive the authority. To dominate them, to walk upon them in your dream, in the realm of the spirit, physically, spiritually. Receive that authority. You will never lose any battle again. You will win all your battle. Tu ne peux pas perdre un combat. Tout le combat qui vient te confronter, tu vas les gagner. Autorité de domination. Reçois cette autorité. Au nom puissant de Jésus, en vos prières, je déclare que le moins numéro 6 là, il va postérer devant toi. Tout le bon chose qui sont dans cette mois, même le mois là et le mois prochain, tout le bon chose qui sont dedans, il va te localiser dans Jésus Christ. Il va nous localiser par la puissance dans le sang de Jésus, en vos déclarer. Amen. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ.